Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Wandem, un jeu sorti sur NES en 1991 aux USA, sorti originalement au Japon en 1990 sous le nom de Sayuki World 2 et développé et édité par Jaleco. Dans cette version US, on incarne un petit indien, ce qui n'est pas le cas de la version japonaise qui est initialement basée sur un classique de la littérature chinoise du XVIe siècle qui s'appelle Journey to the West. Alors bien sûr, c'est pas le titre original, hein, le titre chinois, je le connais pas. Mais ça s'appelle Journey to the West et c'est un recueil de contes et de légendes de l'Empire du Milieu. Dans la version US, ils ont choisi de le transformer en un indien d'Amérique, un petit indien d'Amérique avec sa petite plume sur la tête. Et d'ailleurs, c'est pas le seul changement, comme vous pouvez le voir, je vous mettrai quelques captures de la version Jap. Dans la version Jap, en fait, certains ennemis ont été changés dans la version US. C'est-à-dire que dans la version Jap, vous avez par exemple un panda qui devient un grizzly. Donc, ce qui est un petit peu logique, une forme de censure légère de la part de la division US, puisque le panda, c'est quand même le symbole du WWF, donc le fonds de sauvegarde des espèces en danger, et puis le grizzly, c'est tout simplement plus raccord avec le monde des Indiens. On va lancer la partie. Vous allez voir un petit peu de quoi il retourne pour ce petit jeu très sympa que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On arrive dans un petit niveau d'intro directement. Et on voit que c'est un jeu de plateforme classique, hein, classique NES, dans lequel on peut sauter, on peut donner des coups de lance, on peut, en sautant et en maintenant haut appuyé, on donne un coup vers le haut, et quand on tombe, quand on saute et qu'on maintient la touche bas, et ben tout simplement, on donne un coup de lance vers le bas. On tombe sur l'ennemi avec, un petit peu comme dans un Zelda 2, on tombe sur l'ennemi avec sa lance. Donc ça, c'est pas mal. Et allez, hop là, paf. Par contre, faut bien tomber au milieu de l'ennemi, sinon on se prend un coup quand même. Sinon, après, c'est de la plateforme assez classique. Et hop là, le coup vers le haut. On voit qu'on récolte quelques items. J'en parlerai après de ça. Allez, quelques ennemis. C'est un jeu qui est globalement assez difficile, vous allez le voir. Donc, je risque de galérer un petit peu. Là, au début, ça va. Alors, on peut aussi garder, vous voyez, comme ça, la lance. Mais par contre, vous voyez, ça marche que si les ennemis sont assez grands. Les petits ennemis, ça marche pas. Comme on peut pas se déplacer accroupi. Lui, il faut que je l'ai quand il saute. Mais ouais, ça marche pas. Donc, faut mieux faire comme ça. Je crois pas que je peux les tuer. Si. Ici, il faut foncer, hein, tout simplement. Vous voyez, il y aura des passages avec des pics. Alors, quand on tombe sur les pics, on meurt pas. Vous allez peut-être le voir ici, parce que je me foire régulièrement sur ce passage-là. Ah bah non, même pas. Quand on tombe sur les pics, on prend du dégât, mais on meurt pas immédiatement. Ici, on est bien avisé de descendre avec la lance vers le bas. Et même comme ça, vous voyez, si on tombe pas pile poil sur l'ennemi, ça marche pas. Bon, c'est un jeu très sympa, vu comme ça. Merde. Ça, c'est une invincibilité temporaire, avec mon personnage clignote. Et on a terminé le niveau d'intro, donc c'est un niveau d'intro assez court, juste pour prendre en main le jeu. Et on voit qu'on a le choix des niveaux, on a le choix entre 6 niveaux, un petit peu à l'instar d'un Megaman. Vous verrez qu'il y a quelques points communs avec la célèbre licence de Capcom. Et je vais commencer par ce niveau-là parce que c'est celui qui a la meilleure musique et parce que j'ai pas envie de galérer tout de suite. Il y a un niveau que je connais un petit peu mieux que les autres. Hop, merde. Normalement, eux, je les tue pas, je les laisse passer. Hein. C'est une musique très sympa. Hop, ça, j'en parlerai tout de suite après. Ces petits items-là que vous voyez apparaître à côté de ma barre de vie, c'est des containers de barre de vie. C'est-à-dire que quand je meurs, c'est des vies en fait, si vous préférez. Ça me remet ma barre de vie à fond. On peut en avoir jusque 3. Là, j'en ai eu un parce qu'il était caché dans le niveau. Il y a certains endroits où il faudra se baisser, un petit peu comme dans un Castlevania, il faudra se baisser ou faire une action à un endroit pour obtenir un bonus. Voilà le fameux grizzly dont je vous parlais, qui est à l'origine un panda. Et les gros ennemis comme ça, ils nous donnent une upgrade de notre lance. Vous voyez, elle est plus longue. Ça peut être pas mal. Et là, pareil, je vous l'ai pas dit, je peux me protéger comme ça. Vous voyez, bon, le truc qui tombe pas, ça se voit pas. Voilà, vous voyez, je peux éviter les trucs qui tombent. Les bouts de bambou qui tombent. Alors ouais, faut être très rapide parce qu'il y a les araignées qui grimpent et ils nous balancent quelque chose. Une espèce de goutte, je sais pas trop ce que c'est. Et plusieurs projectiles, on pourra les repousser avec la lance. Vous voyez, c'est un gameplay quand même assez complet. Alors ces petites gourdes là, je vous le montrerai après. En fait, on les collecte et ça va nous permettre d'upgrader notre barre de vie. Je vais vous le montrer juste après, parce qu'il y a un passage très intéressant
qui permet de survivre dans ce jeu assez difficile. Hop, vous voyez, les saloperies d'araignées, elles tirent vers le haut, vers le bas. C'est con, j'ai loupé l'invincibilité. Alors, voilà le grizzly. Merde. Ah, là. Gros nounours. Voilà, on arrive ici. Et ici, c'est un passage super intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le passage de farming par excellence. On se met ici. Quand on passe cet arbre-là, vous voyez, il y a des mecs qui arrivent devant, derrière. Et en fait, on peut les faire popper à l'infini. Ce qui permet, hop, de récolter des bonus à l'infini. Vous voyez, là, je suis déjà à 3 upgrades de... Enfin, 3 containers. Je peux pas en avoir plus. Ça va me servir pour les boss. Même si, à mon avis, il y a certains boss, je vais me faire tuer hein, facilement. Même avec une grande barre de vie et les upgrades. Donc là, je vous montre. Quand on appuie sur Start, vous voyez, c'est marqué mort, hein. Donc là, ça veut dire qu'il me reste une gourde à récolter avant d'upgrader ma barre de vie d'un cœur. Donc ça va se faire très rapidement. Hop, hop. Ah, mais évidemment, il me donne pas de... Les gros cœurs, ça recharge complètement la barre de vie. Hein. Voilà. Hop, vous voyez, un cœur de plus. Et donc, quand je refais Start, il m'en reste 14 pour le suivant. Et plus on en aura, bien sûr, plus ça va augmenter. Vous voyez ici un passage que j'aime beaucoup parce que c'est le passage qui permet de gagner plus de vie. Mais je vais pas y rester 10 ans. On va y aller. Vous voyez que les ennemis, quand on les tue, ils se séparent en deux, ce qui fait un petit peu clignoter l'affichage. C'est un choix hein, de faire qu'ils se séparent en deux. C'est un petit effet sympa. D'ailleurs, nous aussi, quand on mourra, on se séparera en deux. Ça, j'espère que je vous le montrerai pas trop vite. Ils sont chiants. En général, ils disparaissent dans le scrolling. Voilà, comme là. Merde, là, sauf lui, bien sûr. Et chier, voilà. Petite phase de plateforme. Voilà, ça c'est vraiment le passage qui est chiant. Putain. Allez, hop. On est bientôt au boss, hein. C'est des niveaux assez courts. Là, encore un petit passage où on pourrait éventuellement faire du farming parce qu'il n'y a que deux ennemis. Il n'y a rien de dangereux particulièrement. Ça permet de se recharger juste avant le boss. Une espèce de woodman. Donc lui, il faut se protéger. Il faut pas rester près de lui quand il fait ça. Il faut surtout pas oublier de se protéger. Merde. Voilà, hop. Quand les bambous tombent. À noter que les boss sont quasiment vulnérables dans toute leur phase. C'est-à-dire que même là, si je tape dans les feuilles... Ah, putain. J'oublie de me protéger, c'est chiant. Je vais essayer de pas mourir à lui parce que c'est pas le plus dur. Vous voyez que là j'avais une petite armure qui me permettait d'encaisser moins de dégâts et je l'ai perdu. Donc ça veut dire que là si je me fais taper, je prendrai plus de dégâts. Hop. Oh, il est pas très dur lui. Hein. La première fois on galère mais il est pas très très dur. Il y a des boss beaucoup plus chiants. Et on obtient un pouvoir, c'est ce que je vous disais, il y a des points communs avec Megaman, c'est-à-dire que chaque boss qu'on battra nous donnera un nouveau pouvoir. On pourra utiliser éventuellement les autres niveaux. C'est un petit peu le point faible parce qu'en fait, les pouvoirs, il y en a qui serviront à rien, tout simplement. Je vais probablement vous le montrer dans ce niveau. Vous allez voir que le pouvoir de ce niveau, il servira à rien. Donc là, musicalement, vous avez entendu les musiques des deux premiers niveaux que je vous ai montrés qui étaient assez sympas. Ici, par contre, ça retombe. Je fais n'importe quoi. Hop, merde. Ça retombe. C'est très répétitif. Musicalement, le jeu est très inégal. Il y a des musiques qui sont excellentes et il y en a d'autres qui sont fades, voire qui sont carrément agaçantes. Alors, eux, quand ils sont dans leur coquille comme ça, on peut rien faire. Il faut attendre qu'ils ressortent. Ils sont assez longs à tuer. Ah là là. Bon, là, vous voyez, je suis assez tranquille parce que j'ai dû... Hop, on peut retomber dessus, comme ça, par contre, lui, ça servira à rien. On s'en fout, hop. Vous voyez, si on tombe pas pile sur l'ennemi, on se fait toucher quand même, on se prend un dégât quand même. Et j'aime beaucoup la petite animation du mec quand il se fait toucher avec ses gros yeux. Là, j'ai une petite protection. Alors ici, les feuilles, ça nous fait rebondir. Oh merde. Vous voyez, quand on tombe dans la lave ou dans les pics, on meurt pas, mais on se prend du dégât, quoi. Donc là, on pourrait très bien, en ayant une grosse barre de vie, gâcher de la barre de vie, traverser direct. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que je suis en train de crever. Merde. Vous voyez, là, bon, là, je joue un peu bourrin. Alors lui, si je le tue,
va me donner une upgrade de la lance. Donc sachant que l'upgrade, on la perd à chaque fois qu'on finit un niveau. Ici, un petit passage de plateforme. Il y en aura dans certains niveaux des passages un petit peu complexes de plateforme où il faudra bien jouer, comme ici avec les plateformes mouvantes. Bon, une fois qu'on sait dans quel ordre il faut prendre les plateformes, ça va tout seul. Mais la première fois, on galère. Hop. Là, faut rester dessus. Hop. Et voilà. C'est pas compliqué. Ici, un autre passage de farming. On a un cœur qui est planqué. Fallait juste taper à cet endroit-là. Et on va aller au boss. Le boss qui est pas très compliqué dans sa première phase. C'est un cocon qui tombe. Il faut éviter qu'il nous tombe dessus, juste. Il faut le taper et au bout d'un moment, comme n'importe quel, bien sûr, c'est un cocon, c'est une chrysalide, il va devenir papillon, évidemment. Une fois qu'on lui aura dégommé la moitié de sa barre de vie, il va devenir papillon. Vous voyez? Et il va récupérer, bien sûr, son énergie. Alors lui, il faut éviter de rester dans les diagonales. Et de temps en temps, il nous foncera dessus. Ah! Mais pareil, il est pas très dur, lui. Ah putain, j'ai perdu. Oh, c'est pas vrai, ça. J'ai perdu toutes mes réserves de vie. Merde, je voulais pas. Bon, c'est pas grave. On va recommencer celui-là. Et puis après, je vous montrerai un autre. Je suis un petit peu vexé d'avoir perdu, là. Parce que ce boss-là, il est pas très dur. Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, apparemment, lui, quand il me touche, il me fait perdre mes réserves de vie. Parce que je les ai vus sauter, en fait. Je les ai vus se barrer. Le problème, c'est que sans ça, je sais pas si j'arriverai à le battre. Sinon, c'est pas grave, je vous montrerai un autre niveau. Ah, je vous ai pas montré le pouvoir que j'ai gagné, tiens. En appuyant sur Select, on change de pouvoir. Et là, on voit qu'on a un petit pouvoir de lance tournoyante qui dure un certain temps. Et on peut se promener avec. On peut sauter, le garder activé. Et ça marche pas sur tous les ennemis. C'est pas forcément pratique. C'est un des seuls pouvoirs utiles. Il y a celui-là, il y a un autre qui permettra de lancer des javelots, en fait. De lancer des javelots qui seront à la fois des projectiles et aussi qui deviendront des plateformes, un petit peu comme dans un quackshot. En les plantant dans les murs, on pourra grimper dessus. On pourra en planter deux ou trois. Et ça peut être pratique, surtout à la fin du jeu. En fait, à la fin du jeu, les deux derniers niveaux, ce sera énormément des niveaux de... Merde. Des niveaux où il faudra absolument utiliser les pouvoirs qu'on a gagnés. Il y aura des passages obligés où on sera obligé d'utiliser le pouvoir de feu, le pouvoir de l'eau qui, a priori, ne sert à rien. Il y a un autre pouvoir qui permet de lancer des toiles d'araignée qui sert... Merde. Qui sert absolument à rien non plus. S'il faut éviter de trop mourir... En fait, faut pas rester. Merde. Faut pas rester trop longtemps sur la feuille, sinon on tombe. Mais faut aussi rester un petit peu dessus pour qu'il y ait un effet de tremplin qui se fasse. Quoi. Oh, je voudrais bien le tuer, lui, mais. Ah, il y a l'autre con là. Attention. Merde. Putain, il va me faire tout perdre toute ma vie. Ouais, c'est bon. Faut juste pas que je me fasse toucher par un con. Putain. Et je vais récupérer ma vie juste avant le boss. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait tué, lui. Parce que j'avais mes trois réserves de vie. Mais apparemment, lui, quand il me touche, il me les fait perdre. Merde. Et après, je vous montrerai un autre niveau. Je vais pas vous montrer tout le jeu, parce que c'est un jeu très dur. Mais globalement, c'est une bonne découverte. Vous voyez que graphiquement, le jeu est très sympa. Hein, c'est un jeu qui est sorti quand même pas super tôt sur la NES, hein, 90-91. Mais c'est quand même sympa. Eh, le cœur, il est où, là? Ah, voilà. Vous voyez, ici, je peux m'amuser encore à farmer. Je sais pas à combien j'en suis. 21, non, ça va être trop long. Bon, on va essayer de pas crever. Normalement, je crève pas. Bon. Après, je dis ça à chaque fois, mais. Putain. Ah! Je le vois pourtant, mais il tombe assez vite. En plus, son pouvoir à lui, il sert à rien, quoi.
C'est assez rare qu'il me fonce dessus, en fait, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça tout à l'heure. Parce que c'est assez rare, en général, il se contente de me tourner autour. Je dois juste éviter de trop le... Bon, bon, là, il me fonce dedans. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Le pouvoir de la toile d'araignée est mien. Vous allez voir, il sert absolument à rien, puisqu'il marche même pas sur les simples ennemis. En troisième, je vais vous montrer Secret Cliff. Alors, en termes d'autres pouvoirs, il y en a un qui est sympa, mais que je vous montrerai pas, parce que c'est un qu'on a, je sais plus quel niveau c'est, il y a le pouvoir de l'eau, il y a le pouvoir, donc, qui permet de lancer, en fait, ça transforme votre lance en lance à incendie, en fait, ça envoie de l'eau, mais pas très loin. Je vous dis, les seuls qui sont vraiment utiles, c'est ceux du javelot et de la lance tournoyante. Alors ici, des personnages qui n'ont pas été enlevés de la version US, qui sont des espèces de mannequins qui se baladent avec des drapeaux, pas des drapeaux, des éventails du Japon. C'est un petit peu comme dans Nicky Larson quand il fait la fête. Il se retrouve en slip avec des éventails japonais, bah, c'est un peu pareil. Ils sont déguisés comme ça, ça doit être un truc traditionnel japonais. Alors là, faut surtout pas toucher ça parce que ça explose. Ça, normalement, j'arrive à les tuer facilement, eux. Petit cœur, fait prendre des risques. Et le pouvoir qui est intéressant, qui est un peu cheaté, c'est le pouvoir du nuage. En fait, c'est le nuage magique, tout simplement. Vous invoquez un nuage, vous pouvez grimper dessus et voler pendant quelques secondes avant qu'il disparaisse. Mais vous pouvez le refaire tant que vous voulez, en fait. Une fois que le nuage a disparu, on peut le refaire tant qu'on veut. On peut sauter du nuage et remonter dessus. Sauf une fois qu'il a disparu, évidemment. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en général, quand on finit les 6 premiers niveaux, moi, je finis toujours par le niveau de feu, parce qu'il y a pas mal de passages à la con, de plateformes, où il faut éviter de tomber dans la lave, etc. Et j'utilise le pouvoir du nuage, en fait. Ce qui permet d'éviter de crever prématurément. Hop. Eux, ils nous foncent dessus assez rapidement. Là, on voit un portrait du boss. Le boss, c'est un gros costaud qui se transforme en boule. Alors, je sais pas s'il y a pas un truc là, on va voir si on peut y aller. Peut-être qu'il faut y aller avec le nuage. Ah voilà, vous voyez, il y a pas mal de petits endroits cachés où on pourra récupérer de la vie et des. Surtout, ce qui est important de récupérer, c'est les containers. Je vais vous montrer une utilité de ce pouvoir. Quand il y a des briques comme ça, on peut les dégommer. Ça permet d'éviter de se battre contre le gros chevalier en haut qui nous apporte absolument rien. Tiens, le pouvoir de l'araignée, ça fait ça en fait. Voilà, ça projette une toile d'araignée. Mais j'ai aucune idée de ce à quoi ça sert, parce que quand vous vous servez contre les ennemis, ça ne marche pas. Alors ça doit être utile uniquement dans les derniers niveaux. J'ai pas fini le jeu, hein, je vous le précise tout de suite, c'est beaucoup trop dur. Merde, je me suis trompé. C'est beaucoup trop dur, j'ai pas fini le jeu, et ah zut, faut vraiment aller au bord de la plateforme. Et donc je ne sais pas, mais je sais que dans le niveau 7, c'est que des passages comme ça où il faudra utiliser le pouvoir de feu, le pouvoir de glace pour pouvoir passer. Donc là, il y a un bonus qui s'est débloqué, mais il faut l'attraper au vol en fait. Donc j'ai pas réussi à l'attraper, tant pis. De toute façon, le boss, à mon avis, va me tuer. À moins vraiment que j'ai une bonne dextérité. Là, ici, faut vraiment y aller au timing. Parce que sinon, les plateformes, elles tombent et nous avec. Ici, une phase classique, merde, de plateforme tournante. Ça glisse hein, par terre, je sais pas si vous avez remarqué. Donc il y aura de temps en temps des petites météorites qui vont tomber. Celle-là qui est un peu chaude à éviter. En plus, ça m'a fait perdre mon armure. J'en avais un peu besoin pour le boss, mais c'est pas grave. Donc le boss, le voilà. Donc lui, il rebondit partout. Il faut l'éviter. Et il faut le taper quand il retombe. On peut le taper quand il est en boule. Mais il faut un petit peu éviter de s'approcher trop de la boule quand même. En plus, il nous envoie son point. Normalement, le point, on le fait rebondir, mais on sait quand il veut. Hop, non. Une saloperie, celui-là. Ouais, vous voyez, il va me crever. Merde, il m'est tombé dessus. Bon, je vais vous montrer un autre niveau vite fait, et puis on va conclure. Hein. Je vais vous montrer Ice Ritual. Avec une musique très stressante. Donc ici, pareil, voilà, encore un niveau à la con, où il faut tomber avec la lance vers le bas. Ce sera quasiment que ça dans tout le niveau. Il y aura plusieurs passages comme ça dans le niveau. Faut éviter de tomber sur les pics, faut éviter de se prendre les ennemis. Les yeux, c'est juste le décor. Il y aura... Putain, hé. Il y aura quelques... J'aurais dû farmer plus, en fait. Il y aura quelques passages
qui arrive bientôt avec un mec à battre pour pouvoir passer. J'ai quasiment plus de vie déjà. Ici, il faut battre ce mec-là. Ah merde! Bah voilà, ça commence bien. Je vous montrerai un autre niveau, c'est pas grave. Je vais vous montrer le dernier, je crois. Non, je vous ai pas montré le niveau de l'eau. Ici aussi, une musique à la con. Hop, les plateformes, elles rebondissent. Elles nous font tomber. Mais par contre, on a un moon jump dans l'eau. Hein. Comme dans Megaman, en fait. Il y a pas mal d'inspiration du côté de Megaman, ce qui est pas étonnant, puisque c'est une des références de la plateforme. Hein. Megaman 1, Megaman 2, enfin, Megaman... tout ce que vous voulez, hein. Surtout le 1 et le 2, mais après, il y en a eu tellement. Les petites pieuvres. Un petit clin d'œil à Zelda, peut-être. Ici, encore une phase où il faut descendre. Il y aura régulièrement, en fait, des phases où il faut descendre et des phases où il faut monter. Vous voyez, c'est très joli, hein, graphiquement. Il y a des petites fontaines et tout. Des petites fontaines, des petites chutes d'eau. Je dis n'importe quoi. C'est joli, c'est coloré. Enfin, il y a une palette qui est bien utilisée. C'est fluide. C'est vraiment... Bon, c'est emblématique de la plateforme sur NES. Ah, très bien. On a encore une phase de farming, ici. Ici, j'ai récupéré un petit bonus sympa. Encore un bonus caché. Il y a des bonus où il faudra... Bon, là, je passe en force parce que c'est la merde. Il y a des bonus où il faudra... tout simplement taper dans le décor, et d'autres où il faudra juste passer à cet endroit-là et ça soulève le bonus. Et il y en a énormément, apparemment. Alors ici, on retrouve nos amis les petits fêtards japonais, et surtout, il y aura des trucs très chiants ici, ça va être des espèces de coulées de flotte qui vont nous faire tomber. Ça, je le prends, c'est ça nous donne plus de force, mais dès qu'on se fait toucher, on le perd, en fait. Vous voyez, hop, ce truc-là, ah merde, il faut sauter, sinon il nous embarque jusqu'en bas. Là, il y a une inertie parce que ça glisse. Hop. Vous voyez, il faut éviter absolument ces trucs-là. Vous voyez, j'ai plus de force. Normalement, je le tue en deux coups, lui. Et là, je le tue en un seul coup. Mais si on se fait toucher un peu trop, on perd cette espèce de silex. Je pense que c'est un silex qui met au bout de sa lance. Voilà, faut éviter ça. Hop. Ici, si on avait le pouvoir de feu, on pourrait brûler, en fait, ces blocs-là pour pouvoir attraper l'upgrade qui se trouvait là, qui a disparu avec le scrolling. Et par contre, le pouvoir de l'eau qu'on a acquis ici, ça ne sert à rien pour tuer... Hop, du coup, l'upgrade, on l'a ici, en battant ce chevalier. Ça ne sert absolument à rien pour les ennemis de feu. Ça, je pensais, moi, je m'étais dit, bah voilà, les ennemis de... ces ennemis-là, par exemple, on peut les tuer avec la lance, mais on pouvait peut-être les tuer plus facilement ou éviter qu'il y ait... les deux projections de feu, je crois que c'est le boss. Ouais. Alors lui, très chiant aussi. Il nous fonce dedans et hop, putain, il nous balance de l'eau. Lui, en fait, pour le battre, il faut absolument le javelot. Et c'est ce que je vous disais, on peut le taper même quand il est en forme... Merde. Je vais perdre mon upgrade de... Bah, mon upgrade, ma réserve de... Vous voyez, hop, ça me recharge toute ma barre de vie. Peut-être le battre, non, ça m'étonnerait. Il est très chiant, lui. Hop, faut utiliser un petit peu le... ce pouvoir-là, hein, c'est très utile contre certains boss. Si on peut rebondir dessus, hop. Merde. Ah, je vais pas tarder à le tuer, je crois. Allez, un peu de concentration. Là, il fait des trucs qu'il fait pas d'habitude. Putain. Voilà. Bah, comme ça, je pourrais vous montrer le pouvoir de l'eau qui sert à rien. Bon, ça va, je me démerde pas trop mal. Mais bon, on va pas non plus faire durer ce test trop longtemps. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'un seul niveau que je vous ai pas montré. C'est le Fire Test. Alors, je vais vous montrer le Fire Test et on y va. Donc, c'est un jeu qui est globalement, vous voyez, quand même assez difficile. Là encore, je me suis entraîné, c'est-à-dire que les niveaux, je les connais à peu près, ça va. Mais par contre, une fois qu'on a passé les 6 premiers niveaux, qu'on arrive au dernier niveau, on a que des phases où il faut, on a que des phases où il faut utiliser les pouvoirs spéciaux pour passer. Ici, vous voyez, avec le nuage, je m'en sortirais beaucoup mieux. Merde! Ah! Bon, là, faut foncer, y a pas. Hein. Allez, on est bien parti.
Ici, des jets de flammes. On va attendre. C'est un niveau où le nuage est très utile. Donc les derniers niveaux, c'est énormément de passages où il faut utiliser les pouvoirs. Et les ennemis sont des miniatures des boss. C'est-à-dire qu'ils sont pas très résistants. Enfin, il faut les tuer en deux ou trois coups. Mais c'est les boss en petit et il y en a partout. Hop, là, il faut juste connaître. Là, il y a des boulets qui tombent. Faut éviter de se les manger. Oh, voilà. Une fois qu'on connaît, c'est pas très dur, hein, mais... on a vite fait de foncer parce que le personnage est très maniable. On a vite fait de foncer et de se faire tuer. Ici, un autre passage où on peut farmer. Moi, je me suis amusé à farmer longtemps ici. Parce qu'il y aura des petits champignons comme ça qui permettront de récupérer des gourdes, des vies... des cœurs. Bon là on va pas faire le con. Je sais plus s'il n'y a pas un cœur caché ici quelque part. Vous voyez. Je sais pas à combien j'en suis. Une. Ah bah si, je vais farmer un petit peu, tiens. Ça me permet de récupérer un cœur. Voilà. Par contre ça me recharge pas. C'est ça qui est dommage. Je récupère un cœur, mais ça me recharge pas le reste de ma barre de vie. Donc, alors là, c'est devenu un peu dangereux. Bon, tant pis, on va continuer. Moi, c'est un jeu que je vous conseille si vous êtes amateur de gameplay NES, plateforme NES old school, de jeux difficiles. Alors ici, c'est le passage à la con. Vous voyez, les plateformes, elles rebondissent. Je sais pas si on peut les tuer. Les plateformes, elles rebondissent d'une certaine façon. Et il faut, hop, voilà. Il faut garder des. Faut essayer de garder un rythme où on est en l'air. Un rythme que je n'ai pas là. Voilà. Un chevalier. S'il pouvait me donner un cœur ou une upgrade. Non, une gourde. Merci. Alors on peut même pas les tuer. Je dis même avec le pouvoir de l'eau, ça sert à rien. Invincibilité temporaire. Et je vais arriver au boss, je crois. Ah ouais, voilà. Ouais. Juste avant le boss, j'ai une recharge. Et le boss c'est une saloperie parce qu'en fait c'est d'abord cette espèce de volute de fumée là. Et après il devient. Et lui il faut le tuer avec l'attaque comme ça. Vers le. Hop, faut lui sauter par en dessous. Et bizarrement, quand on a de la vie, il est pas trop dur lui, mais il est plus dangereux dans cette phase-là, parce qu'elle dure longtemps, il s'approche de nous, inexorablement. Alors que là, il suffit de savoir où il va aller. Je suis en bonne position pour le tuer là quand même. Ah, c'est vite dit. Ah ouais. Ah bah voilà. Bah écoutez, je suis assez content. C'était pas gagné. Pouvoir de feu. Qui sert toujours à rien. Et on va retourner au secret de clip vite fait que je vous montre les pouvoirs que j'ai gagnés. Le pouvoir de l'eau, le pouvoir de feu. Et puis on va s'arrêter là. Hein. Alors, le pouvoir... Ça, vous l'avez vu. Donc le moulinet. Le pouvoir de feu, vous voyez, c'est une torche. Vous allez pouvoir constater... Vous voyez, c'est complètement inutile. En tout cas, ça sert pas pour les ennemis, ça sert à brûler. Eux, c'est pareil, on peut pas les tuer avec ça. Ça sert à rien non plus. Donc, vous voyez, le défaut du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais il y a plein de trucs qui sont pas exploités. Enfin, ils sont exploités, mais à certains endroits. C'est-à-dire qu'il y a quelques armes qui sont utiles pour les boss. Notamment, je vous ai dit, l'arme de lancer que j'ai pas là, que je crois c'est ici qu'on l'attrape. L'arme qui me permet de lancer des javelots. Vous voyez, je vais faire un autre essai, par exemple. Est-ce que je peux faire cramer? Non. Ici, est-ce que je peux les éteindre? Non. Est-ce que je peux? Non. Vous voyez, je peux rien faire. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est dommage parce que c'est pas assez exploité. Il y a une difficulté qui est ardue, qui est inégale, parce qu'une fois qu'on a compris qu'on pouvait farmer, on va passer beaucoup de temps à farmer pour essayer de récupérer de la vie et des gourdes. Donc les premiers passages, les premiers niveaux, ça va se faire tout seul. Vous voyez là déjà, bon, je joue un peu comme une merde, mais j'ai déjà battu trois boss quoi, donc ça va, je m'en sors bien. Je sais pas pourquoi je vais dans ce niveau-là parce que j'arriverai pas à le battre. Mais globalement, c'est un niveau avec une difficulté assez inégale, assez difficile. Hein. De toute façon, une fois qu'on a battu les six premiers boss, une fois qu'on a passé les six premiers niveaux, les niveaux suivants, c'est carrément impossible. Et sachant que on a un septième pouvoir qu'on a qui est, à partir du moment où on a les six premiers, on a un septième pouvoir qui est lui aussi hérité de la version Jap, qui est un pouvoir, le pouvoir du dragon. Ça lance une espèce de dragon vert
Par contre, ça bouffe, je crois, 3 ou 4 cœurs de notre barre de vie. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est un pouvoir qu'on utilisera à la fin du jeu contre le dernier boss ou un truc comme ça. Mais qu'il faut surtout pas utiliser en cours de jeu. Il n'y avait pas un... Ouais, voilà. Vous vous souvenez bien qu'il y avait un truc, là. On l'a vu tout à l'heure. Ça me sert à rien, j'ai ma barre de vie pleine, mais c'est pour vous montrer. Ici, je me trompe de bouton. Ici, on passe ici pour avoir l'upgrade de la barre. On va retourner ici. On va essayer de voir si on peut avoir le bonus de tout à l'heure. Si je me trompe, si je vais pas assez loin sur la plateforme, ça va pas le faire. Allez, oh merde. Ça, c'est quand je saute trop tôt. C'est des petits bugs de collision. Bon, moi, ça, c'est classique hein, sur NES. Il y en a un peu tout le temps. Merde. Ah ouais, je vais la voir. C'est bon. Voilà, il faut tomber avec lui. Donc ça, c'est bien. Ça va peut-être me permettre de survivre un minimum au boss. Si je peux le battre et vous montrer le truc des javelots. Du moins, est-ce que c'est ça? Oui, je pense que c'est... Merde. Je pense que c'est ça, puisque le... Le pouvoir du nuage, on l'a dans le niveau de glace, normalement. Hop, hop. Ça, c'est des passages assez chiants au début, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est un petit peu comme les passages en wall jump dans certains niveaux, dans certains jeux. Au début, on n'y arrive pas, et puis une fois qu'on a pigé, c'est ça va tout seul. C'est même agréable. Bon, je vois pourquoi je donne un coup de lance, on peut pas les tuer. Merde. Bon, allez, on fonce. Allez, hop. On bourrine. Oh, putain. Et en plus, il a un masque de collision assez large, lui. Je me demande s'il faut pas utiliser ça avec lui. Ouais, bah, je me suis trompé, là. Voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Hop. Je crois. Je crois que la première fois que je l'ai battu, j'avais utilisé ça et ça marchait assez bien. Ouais, il est super rapide. Je sais que ça lui repousse son point déjà. Par contre, il nous nique notre barre de vie assez rapidement. Pourtant, vous voyez, bon, c'est des patterns qui sont pas compliqués, mais il est tellement rapide. Normalement, j'ai encore une réserve de vie. Voilà, qui vient de se déclencher. Faut vraiment toujours rester en mouvement avec lui. Bon, là, là-haut, je peux rien faire. Faut pas m'amuser à lui sauter dessus, il est trop haut. Là, je me contente de me défendre. Et je devrais pouvoir le battre, si je dis pas de conneries. Ouais, encore un point de vie. Putain, ouais, si je me fais toucher, ça va pas le faire. Ah là là, putain. Encore un coup et c'est mort. Je risque de crever. Là, c'est qui tout double. Soit je me fais avoir, soit j'arrive à le tuer. Sauf s'il fait ça. Putain, c'est stressant. C'est stressant. Allez, viens. Oh là 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 là. Vous avez vu le... Merde. Ouais, j'ai perdu. Vous avez pu remarquer le bruit à la Zelda quand il reste plus qu'un cœur. On a le bruit à la Zelda qui enlève en fait une voix de la bande-son. Bah écoutez, j'ai été ravi de vous tester ce petit jeu, cette petite découverte, Wandem sur NES, qui est un petit jeu très sympa, très difficile, mais vraiment une bonne découverte. On va lancer un petit niveau le temps que je finisse ma conclusion. C'est un jeu qui est techniquement réussi, musicalement, pour la plupart des musiques, mais pas toutes, hein, comme celle-ci par exemple, c'est un cauchemar. Toutes les musiques ne sont pas réussies, loin s'en faut, mais c'est un niveau qui est très sympa. C'est un jeu qui est très sympa, musicalement quand même, hein, sur la majorité des thèmes. Et surtout, graphiquement, c'est mignon comme tout. La maniabilité, elle est tip-top. Et heureusement, parce que le jeu est vraiment pas facile. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce test de Wandem. Ce test donc de la version US de Sayuki World 2 sur NES ou sur Famicom, comme vous voulez. Hein. Merci à tous, c'était Doc McCoy. Salut! So it was that Hiawatha came to end his day of hunting, and the beaver called him brother, helped him as he journeyed homeward, while the rabbit and the red squirrel and the little deer that watched him as a friend departing. Mighty hunter, Hiawatha,
Mighty warrior, Hiawatha. Mighty chieftain, Hiawatha. Mighty little Hiawatha.